Bonjour, je veux parler un petit peu de mon essai du sac avant de bikepacking de Topeak, le front loader, qui a une capacité de 8 litres. Donc, je tourne ça de côté puis je vous montre qu'est-ce qu'il y en a. On voit ici le backloader dans mon utilisation de la fin de semaine. Le machin rouge sur le dessus, vous voyez que c'est la tente. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ma façon de l'installer pour ce voyage-ci, je l'ai installé à l'envers. De façon inversée plutôt qu'à l'envers. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça dit. Donc, je peux enlever la tente juste pour libérer un petit peu le devant. Donc, la tente s'enlève et le front loader, bon ben, c'est un sac au sec d'environ 8 à 10 litres avec un harnais. Le harnais, c'est vraiment l'affaire importante. Ça ressemble incroyablement à ce que moi j'ai fabriqué dans le passé. Par contre, celui-là, c'est disponible commercialement, ça fonctionne très bien. Quand je parlais que je l'ai installé de façon inversée, je vous montrerai tantôt comment ça va dans l'autre sens, mais c'est ici qu'on se trouvait de façon tournée de côté. Au niveau de l'attache, c'est super bien fait. Ici, on a un petit levier qui bloque la tension qu'on peut facilement remettre. Donc, lorsqu'on installe la boucle, on met de la tension, puis ensuite la barrure l'empêche de bouger, donc c'est super intéressant. Puis, si on veut enlever tout ça, facile, on déclippe, on défait les deux petits velcros, comme ça ici. Même chose de l'autre côté. Puis, ce qu'on voit ici, bon, vous voyez du rouge. C'est simplement ma façon à moi de faire que les petits espaceurs de caoutchouc, qui sont morceau par morceau, qui permettent d'ajuster la distance du sac avec le guidon, simplement pour empêcher qu'ils se sauvent, pas les perdre. Donc, c'est simplement ça. Donc, vous voyez le front loader, je peux l'enlever directement, c'est pas plus compliqué que ça. Le chargement, ben, dans mon cas, je mets mon sac de couchage, ma doudoune de plume, mon matelas de sol, des petits trucs comme ça qui font 8 litres, qui sont pas trop lourds, étant donné que c'est à l'avant. Il y a moyen de charger ça autrement aussi, c'est une question de préférence. Maintenant, le Topeak Front Loader, installé de la façon recommandée par le fabricant. Encore là, je vous montre un petit peu. On a encore la tente qui est attachée avec le harnais fourni. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, si je veux facilement, c'est déclipper le harnais qui lui peut servir à attacher la tente ou attacher d'autres choses. De cette façon-là, c'est super pratique. On voit le devant du front loader avec des attaches, des choses comme ça, puis il y a une certaine protection. Le sac au sec de Topeak, une petite valve de purge, ça aussi c'est très intéressant. Seul inconvénient que je vois à la façon recommandée par Topeak de faire l'installation du front loader, c'est que les attaches que je vous montrais tantôt, ici, qui bon, servent à serrer tout ça, sont derrière le guidon. Puis pourraient, on va dire, empêcher un petit peu si on voulait attacher des accessoires supplémentaires. En tout cas, rendre ça un petit peu plus difficile. C'est un questionnement plutôt qu'une affirmation. Et c'est vrai, il y a un deuxième inconvénient, c'est que si on regarde ici, le sac au sec touche le cadre du vélo. Donc, on peut peut-être parler d'abrasion. Encore là, est-ce que c'est si dramatique que ça? Peut-être pas. Au pire, on met une petite protection sur le sac au sec. Sinon, faire comme moi j'ai fait tantôt, simplement l'installer de façon inversée. Mais, produit recommandé. Très très stable à l'utilisation en randonnée, super stable, pas de problème, même si ça brasse fort.